Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous voyez, je suis au bord de l'eau. Il s'agit de la première pêche de l'année pour moi. Ouais, c'est vrai, je pêche pas trop l'hiver. Je fais souvent un petit break durant cette période, déjà parce que les poissons sont pas trop en activité. Puis bon, bah c'est vrai que un peu la flemme aussi, hein, faut le dire. Je suis un peu comme beaucoup, je reprends quand les beaux jours arrivent. Et là aujourd'hui, donc on est mi-mars et ils annoncent une journée vraiment magnifique, une vraie journée printanière avec un super temps. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de retourner à la pêche tout simplement. Donc aujourd'hui, je ne me suis pas trop pris la tête dans la mesure où je n'ai pas amorcé à l'avance. Je suis sur un plan d'eau qui fait une trentaine d'hectares et je pêche deux spots en bordure, donc c'est deux arbres morts. C'est un spot que je connais bien, j'y ai déjà pêché quelques fois. Donc pour commencer l'année, je me suis dit pourquoi pas débuter ici. Une petite pêche de journée sans prétention, juste histoire de remettre un petit peu la machine en route, sortir les cannes, sortir tout court. Ça fait vraiment du bien de passer du temps dehors. Après, on est tous un peu pareil, quoi. Il fait froid l'hiver, on a tendance à plus rester à l'intérieur, ce qui est logique, hein, finalement. Mais voilà, on aime bien aussi quand on a l'occasion de sortir et vraiment ça fait un bien fou. Donc là, ça fait à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure que ça pêche. Je pense que je vais rester une partie de la journée. Donc ça, j'ai commencé à pêcher vers 10h. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Je n'ai pas vraiment d'heure. Peut-être en fin d'après-midi, vers 17h, un truc comme ça. Donc cette année également, j'ai décidé de faire un peu plus de vidéos. C'est vrai que j'ai une chaîne où je ne fais pas beaucoup de vidéos. La dernière remonte peut-être à 6-8 mois. Je trouvais que ça me prenait énormément de temps de tourner une vidéo, de la monter, etc. Surtout que je pense que je me prenais peut-être un peu trop la tête sur le montage, essayer de faire des trucs un peu plus visuels, ce genre de choses. Et comme je suis tout seul à aller pêcher, du coup... c'est plus compliqué à tout installer, à faire le montage et tout ça. Et c'est vrai que j'ai perdu un petit peu beaucoup d'énergie dans cette optique-là. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire beaucoup plus de vidéos, mais qui seront des vidéos beaucoup plus simples. Voilà, j'ai filmé, j'essaierai dans la mesure du possible de filmer, pourquoi pas des départs, filmer avec ma GoPro, ce genre de choses. Ça sera peut-être des vidéos un peu plus vlog, on va dire, entre guillemets. Donc si vous attendez des scènes avec des drones, etc., ça sera pas sur ma chaîne. Voilà, des vidéos peut-être explicatives, dans laquelle je me prends pas la tête, je suis en action de pêche, je vous montre des trucs et astuces, ce genre de choses, vraiment ce qui me vient un petit peu à l'esprit, quoi. J'ai remarqué que ceux qui sont sur YouTube ne connaissent pas forcément le blog que j'ai. Donc j'ai un blog sur la pêche de la carpe qui s'appelle Blog de la carpe, tout simplement, donc facile à retenir. Et donc j'ai remarqué que les personnes présentes sur YouTube n'étaient pas forcément au courant que j'avais un blog. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'ai presque 200 articles décrits dessus qui parlent de la pêche de la carpe, bien sûr, mais qui couvrent beaucoup de sujets. Par exemple, ça peut être des articles sur des stratégies de pêche, sur des montages, ça peut être des articles sur des interviews. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai interviewé Manu de la chaîne No Susai Carp. Donc Manu, si tu regardes cette vidéo, je te passe un bonjour et merci encore pour ta participation. Je vais aussi écrire des articles sur des comparatifs de produits, par exemple, comparer diverses produits entre eux et puis donner mon avis dessus. Donc tout simplement, voilà, ça va être des... ça va être plus varié sur le blog, donc si vous ne le connaissez pas encore, blogdelacarpe.com, donc je vous mets le lien de toute façon en description, comme ça vous pourrez aller visiter à la fin de cette vidéo, bien sûr. J'ai fait aussi par exemple un résumé du livre de Cyril Choquet, donc Mordu de la pêche, donc ça ne parle pas spécifiquement de la pêche de la carpe, mais voilà, c'est un pêcheur qui est assez connu, assez populaire dans l'univers de la pêche, et quelquefois voilà, je fais des résumés de livres pour que... Pareil, si le résumé vous plaît, c'est que le livre vous plaira forcément. Donc ça peut vous inciter aussi à, pourquoi pas, acheter un peu de lecture. Alors cette saison, ça va aussi être l'occasion pour moi d'étoffer un petit peu la boutique en ligne que j'ai. J'ai une petite boutique qui est disponible également sur Blog de la Carpe. C'est dans l'onglet boutique naturellement. Et je me suis dit que je voulais créer une boutique, mais ne pas faire comme tous les sites e-commerce, on va dire,
où on retrouve systématiquement les mêmes produits. Je me suis dit que l'idée que j'avais, c'était principalement de créer, faire mes propres créations et créer des choses vraiment utiles. Vous voyez, moi je suis carpiste et je me suis aperçu quand on pêche, il y a des trucs qu'on aimerait bien avoir, soit qui n'existent pas, soit qui ne sont pas adaptés ou qu'ils sont difficilement accessibles pour diverses raisons. Et du coup, j'ai eu l'idée, par exemple, là. Alors, il s'agit d'un prototype pour l'instant. Allez, je vais en rapprocher un petit peu. Donc, il s'agit d'un prototype. Donc, ne regardez pas surtout l'aspect que ça a. C'est vraiment là le côté utile. Donc, pour vous expliquer rapidement, moi, quand je pêche, je fais souvent des pêches rapides. J'ai un fourreau, naturellement, de 3 cannes. Et ça m'embête énormément de démonter, par exemple, à chaque fois mon montage. Là, par exemple, il s'agit d'un montage hélicoptère. Donc, ça me dérange énormément de le démonter à chaque fois, voire même d'enlever le plomb et tout ça. C'est vraiment, je trouve ça vraiment chiant. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'existerait pas une solution pour garder le plomb dessus, garder le badling et tout simplement de laisser monter sur la canne et de le ranger en toute sécurité. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette petite trousse pour ranger tout ça dedans. Et qu'on n'ait plus jamais à l'enlever tout simplement et que tout soit en sécurité, qu'il n'y ait pas de problème de casse, d'usure ou autre. Donc là, dans ce prototype qui va être naturellement amélioré avec le temps, j'ai eu l'idée en fait, enfin on a eu l'idée parce que c'est une idée un petit peu familiale et même mon fils de 8 ans il m'a suggéré des trucs, donc c'est le top, c'est aussi ça que j'adore dans ce projet que j'ai cette saison. Donc l'idée c'est de simplement venir accrocher. Grâce à des scratchs, on vient accrocher autour de la canne, tout simplement, clac et crac. Alors sur l'hameçon, parce que vous allez me dire, sinon ça risque de s'accrocher dans la trousse, donc on met simplement une petite butée en caoutchouc, donc là, l'hameçon il va s'accrocher nulle part. Et du coup, on va simplement venir mettre le plomb dedans. L'hameçon, on le met dedans et on referme le tout. Voilà. Donc voilà mon prototype. Ça prend vraiment pas beaucoup de place dans le fourreau. C'est du néoprène, mais je suis pas sûr que je vais garder cette matière-là parce qu'elle est trop épaisse. Donc je vais voir ce que je peux faire. Pourquoi pas mettre un tissu imperméable ou autre. Donc je verrai bien avec le temps. Donc ça prend pas vraiment pas beaucoup de place. On a le plomb qui est rangé. On a l'hameçon qui s'accroche nulle part. Et en plus, par rapport à l'hameçon, alors moi j'aime bien utiliser, vous savez, les gaines thermaux pour courber un petit peu au niveau de l'hameçon. Et c'est vrai qu'on on l'accroche par exemple sur le pick-up du moulinet, eh bien ça a tendance à tirer dessus et à le déformer. Donc là, on n'a plus du tout ce problème-là. Et c'est vraiment top, ça bouge pas, c'est super génial. Donc n'hésitez pas, bien sûr, moi je suis ouvert à toute suggestion. N'hésitez pas si vous avez des idées pour améliorer la chose ou des difficultés par exemple que vous pourriez rencontrer que j'aurais pas forcément pensé. Donc n'hésitez pas en commentaire à me laisser des petites suggestions. Donc, sachant, je le répète, hein, qu'il s'agit d'un prototype et c'est pas du tout le produit final. Donc il sera beaucoup plus esthétique, bien entendu. Voilà les amis, je vous fais un petit bilan sur on va dire la mi-journée. Je ne sais pas si vous l'entendez d'un côté, j'espère pas, parce que si vous l'entendez le vent, ça veut dire que vous ne m'entendez pas moi. Mais en tout cas, il y a du vent qui s'est levé énormément. Et j'ai regardé, donc a priori, c'est un vent de sud-sud-est. Mais il est quand même relativement froid. Donc ils annonçaient une température de 17 degrés. Mais je crois qu'avec ce vent, on va plutôt être en ressenti. On doit être à 13-14 degrés, pas plus. Donc les conditions sont pas top. C'est pas la journée que j'espérais. Et d'ailleurs c'est très calme, hein. On voit il n'y a aucune activité, il n'y a aucun poisson qui se manifeste d'une façon ou d'une autre. Donc on va voir. J'espère que le soleil est quand même bien présent ce matin, c'était assez nuageux. Le soleil il est quand même bien présent, donc j'espère que ça va réchauffer un petit peu l'eau. Et puis bah, pourquoi pas créer un peu d'activité dans l'après-midi. Bon et bien voilà, cette petite pêche de journée touche à sa fin. Donc vous avez la conclusion, donc vous vous doutez bien que j'ai pas fait de poisson. Donc comme je disais, cette petite journée était vraiment une remise en jambe hein, pour histoire de sortir le matériel,
prendre l'air. Hein. Ça fait toujours beaucoup de bien d'être au bord de l'eau. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de refaire une petite vidéo sur ma chaîne. D'autres viendront se rajouter. J'espère en faire à peu près une par semaine à partir de maintenant. Voilà, sur des pêches comme là, par exemple, sur des tutos. Je sais pas ce que je ferai. Un peu tout, en fait. Hein. J'ai exploré pas mal de sujets. En tout cas, je vais essayer. Quand je ferai mes vidéos à la pêche également, je préparerai beaucoup mieux mon coup. Je sonderai, j'amorcerai, je vous montrerai peut-être tout ça en vidéo également. Ça peut en intéresser quelques-uns. Voilà, l'idée est de mettre toutes les chances de mon côté. Et en plus, au fur et à mesure qu'on va avancer, logiquement, le poisson va se mettre en activité. Donc les pêches devraient être de mieux en mieux. Merci infiniment en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Donc comme je vous disais en début, en intro également, j'ai un blog, donc vous pouvez le visiter en complément des vidéos que je fais également sur YouTube. Donc on y retrouve des tas d'articles qui couvrent énormément de sujets sur la pêche de la carpe. Donc n'hésitez pas, je le mets en lien du coup juste en dessous la vidéo. Et sur ça, je vous dis donc à très vite et bonne pêche si vous y êtes. Allez, à plus.